Deux jeunes novices ont obtenu le privilège d'étudier le zazen auprès de Sensei Leshima. Le zazen, c'est d'abord une attitude physique, une posture du corps. Pousser le sol avec les genoux, pousser le ciel avec la tête. Colonne vertébrale droite, légère cambrure, menton rentré. Avant la longue assise du zazen, le moine se meut quelques instants à partir du centre de gravité situé dans le bas-ventre. Le zazen s'accomplit toujours assis sur un coussin qui facilite l'indispensable appui des genoux sur le sol et dans la position jambes croisées, dite posture du lotus ou posture du Bouddha. La main gauche est posée sur la main droite et l'attention est généralement concentrée dans les pouces dont les extrémités se touchent. C'est à la position, à la juste tension, à l'immobilité des pouces que le maître peut voir l'état intérieur, mental ou émotionnel, du disciple. La posture de zazen doit éliminer toutes les contractions inutiles, mais ce n'est pas une attitude de total relâchement qui pourrait conduire à l'affaissement, au sommeil, à la passivité. Une certaine tension est maintenue dans le corps, gage d'une intense activité. Le disciple est activement passif, activement silencieux, activement ouvert, activement disponible, activement oublieux de lui-même dans sa petitesse individuelle, pour se découvrir lui-même dans sa grandeur non égoïste, sa nature de Bouddha.